a 25 nœuds établis, des rafales à 30 nœuds. Du coup, j'ai retiré toute la grand voile. On est seulement sur un petit peu de génois. On est en train de tirer le dernier bord vers le détroit. Et 6 heures du matin, j'ai dormi une fois 1h30 quand c'était plus trop de trafic. Et après, j'ai dû dormir 2-3 fois une demi-heure. Donc je suis un peu fatigué, là j'ai peut-être une heure devant moi là. Donc je vais essayer de dormir un petit peu avant d'arriver sur le détroit. Normalement, au détroit, on devrait avoir moins de vent, donc ça sera pas mal. La bonne nouvelle, c'est que je crois pas avoir cassé quelque chose aujourd'hui. J'ai essayé de manœuvrer vraiment proprement. On verra, on fera un petit check une fois qu'il fera vraiment jour. Là, ça commence à se lever tranquillement. Je vais peut-être rater le coucher de soleil, c'est pas grave. On est en train d'arriver au canal de Dardéren, je crois que ça s'appelle. Il y a pas mal de trafic, je vais vous montrer ça. Parce que du coup, tous les navires marchands passent par là aussi. Et la nuit a été assez mouvementée. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai réussi à dormir encore un petit peu. Donc je sais pas si je vais passer ça là, ce que vous entendez, c'est une alarme AIS qui me dit qu'il y a un bateau pas loin. Je les ai paramétrés à 0,5000 et TCPA de 10 minutes je crois. Mais bon, je fais la veille attentive depuis tout à l'heure. Bon, je vous montre ça et puis je me reconcentre sur la nave. Deux bateaux derrière qui nous rattrapent. Et après, il y a des bateaux partout par là. Là-bas, il y a plein de bateaux au mouillage. Ça, c'est les bateaux qui sortent. Et l'entrée est par là-bas. Moi, je me décale un peu pour leur laisser la place. Donc ça, c'est les deux bateaux qui sont derrière nous. Quand c'est en rouge comme ça, c'est que il est en dessous de mes seuils. Donc il y a un bateau là, des bateaux là. Et en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Ça là, tout ça là, c'est des bateaux qui sont au mouillage. Et après, nous on va passer par ici. Et en fait, ces bandes là avec les flèches qui descendent et qui montent, c'est ce qu'on appelle un DST, un dispositif de séparation de trafic. Donc c'est à dire que tous les bateaux montants passent d'un côté, tous les bateaux descendants passent de l'autre côté, comme ça ça évite les collisions. Et moi, même si je suis pas interdit d'aller dedans, je vais quand même aller à l'extérieur pour pas les gêner. Je suis en train de rentrer dans le canal de Dardenne. Il y a un peu moins de houle, du coup c'est pas mal. Et apparemment il peut y avoir jusqu'à 5 nœuds de courant ici. J'espère que c'est pas le cas, parce que vu qu'on marche à 6-7 nœuds, si on avance à 1-2 nœuds sur le fond, il y a 40 000 à faire, donc il y en a pour une journée quoi. Voire deux journées. On fera peut-être une pause au milieu si c'est le cas. On est toujours le petit bateau rouge. Les autres bateaux verts, c'est pas nous. On est en train de rentrer dans le détroit de Dardanelles. Je me suis trompé à chaque fois que je disais son nom. On peut voir tous les autres bateaux qui sont à la queue leu-leu. Et du coup, moi j'essaye de rester à l'écart, en route parallèle. Pour l'instant, il y a un nœud de courant, donc ça va, on avance bien. On est à 5 nœuds 8 sur le fond. 32 nœuds, 31 nœuds, 32 nœuds. On marche à 8 nœuds 4, 8 nœuds 3. On est dans le chenal. Je suis en train de me faire à manger.
Et dehors, c'est cartouche. Et il y a un bateau juste là. Et on continue tout droit. Je vous donne quelques secondes pour deviner ce que transporte ce bateau. Alors, vous trouvez ? C'est des pales d'éoliennes. Elles sont monstrueuses. Je vais aller regarder combien mesure le bateau. Donc c'était l'UHL Finici, il fait 150 mètres, en sachant que la pale d'éolienne faisait plus de la moitié de la longueur du bateau. Monstrueux. Ça me rappelle les rouliers qu'il y avait à Santorin. Ces petits bateaux transportent des voitures et des passagers. Parce que pour l'instant, j'ai pas vu un seul pont, et je crois qu'il n'y en a pas. C'est exactement ce genre de navette qui m'a déjà arrêté deux fois. Et là, il me regarde. Je sais pas s'ils ralentissent ou pas. Je continue à me regarder, mais je crois qu'ils vont pas faire demi-tour. Ça va, parce que là, je me voyais pas montrer les papiers maintenant, quoi. On retrouve enfin des paysages verts, ça fait plaisir. Fini la rocaille, la sécheresse. J'ai hâte d'aller voir à terre, mais c'est pas pour tout de suite. J'avais tort, il a un pont, il est même pas sur la carte. Je pense que la carte est trop vieille. Après, je m'étais pas trop inquiété parce que je savais que j'avais du fort trafic maritime. Et c'est le genre de bateau qui est beaucoup plus haut que le mien, même avec le mât. Le vent s'est enfin calmé. Là, on n'a plus que 20 nœuds de vent. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça aura été une navigation mouvementée. Et on va au mouillage pour la nuit et demain, on continue la navigation vers des îles. Et ça sera le dernier arrêt avant Istanbul.
28 nœuds. Je suis un peu fatigué.